السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes le 20e jour du mois de Safar, le deuxième mois islamique, et ce 20e jour marque naturellement. Désolé, c'est dehors que je suis, il y aura un peu de bruit, c'est juste une vidéo improvisée. Cette deuxième journée et cette 20e journée du mois de Safar, comme je le disais, marque le 40e jour depuis l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam sur le désert aride de Karbala. Et aujourd'hui, il y a une rencontre spéciale qui se passe. Justement, là où cet homme a été assassiné, c'est à Karbala, c'est en Irak. Aujourd'hui, cette ville de Karbala, qui ne compte pas peut-être 3 millions de personnes, reçoit près de 30 millions de visites. Désolé pour la connexion. Cette ville, aujourd'hui, reçoit près de 30 millions de visiteurs venus de tous les coins du monde. Non seulement il y aura des musulmans, mais il y aura des chrétiens, il y aura des juifs, il y aura même des personnes qui sont curieuses, des athées, qui viennent se demander, mais qu'est-ce qui pousse des millions de personnes, des orphelins, des handicapés, des veuves, des personnes comme, disons, des bébés qui sont dans les poussettes, des personnes âgées qui marchent avec des cannes de manière difficile, qu'est-ce qui pousse ces gens à abandonner des véhicules, abandonner les avions, préférer marcher durant 80 km, voire plus. Quelques-uns quittent même des villes lointaines de l'Iran, de la Turquie pour venir. Il y a des gens qui marchent durant une semaine, d'autres prennent un mois pour que ce 40e jour leur trouve sur la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc vous imaginez que des personnes qui quittent le monde entier pour se rassembler chez l'imam al-Hussein, ça suscite la curiosité et ça fait que cette rencontre est devenue avec le temps aujourd'hui la plus grande rencontre mondiale, planétaire, où des monothéistes se rassemblent juste par amour pour l'imam al-Hussein alayhi salam, qui, nous le rappelons, est le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi Sayyid Shababi Ahlil Jannah. Il est, avec son frère Al-Hassan, les leaders des jeunes du paradis. Donc, cette journée qui est aujourd'hui ce mercredi 6 septembre 2023 correspond exactement à la date commémorative de Arba'in. Si vous suivez sur les médias aujourd'hui et demain, vous verrez qu'il y a une foule innombrable dans ce lieu. Personne parmi ces 30 millions de visiteurs, voire plus, ne va avoir faim. Personne ne va dépenser un franc de son argent pour manger ou pour se loger. Alors que la ville, il n'y a aucune organisation. Ce n'est pas l'État irakien qui organise cela. Ce n'est pas une ONG, qu'elle soit nationale ou internationale, qui finance cela. Ça vient uniquement de la barakat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste sur ce tombe béni qu'on appelle Al-Hussein alayhi salam. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller, je prie Dieu que vous ayez la chance de repartir. Pour vous qui n'avez pas encore été, vraiment priez et je prie Dieu avec vous pour que vous puissiez avoir la chance d'y aller. Vous allez voir des personnes pauvres qui vous arrachent de la rue afin de venir vous servir un plat, vous réserver un petit matelas pour que vous puissiez dormir. Quand vous dormez, pendant que vos habits avec lesquels vous marchez depuis 2 jours ou 3 jours sont sales, ces personnes profitent de votre sommeil, lavent vos habits et ensuite vous les remettent au sec afin qu'à votre réveil, vous vous retrouvez avec des chaussures nettoyées, des habits lavés et repassés afin que vous puissiez continuer votre marche. Il y a des gens qui sont assis, toutes les maisons au bord de la route entre Najaf et Karbala là sont transformés en des lieux, en des hôtels de fortune qui sont là. Si j'ai une villa sur la route, par exemple, je vide tous les fauteuils, je vide toute la famille et je mets des matelas, une quinzaine de matelas, une vingtaine selon la largeur de ma maison, afin de pouvoir héberger les visiteurs de l'imam Hussein alayhi salam. Ça ne se passe que là-bas. C'est la solidarité, l'union, l'harmonie
l'humanisme au plus haut sommet de sa manifestation. Vous allez voir que si vous êtes là, il y aura deux voisins qui vont vous voir. Chacun va vous dire ce chemin que vous allez manger. Ils vont essayer de vous disputer, l'un vous tirant à droite, l'autre vous tirant à gauche, afin de dire que nous sommes là pour être au service des visiteurs de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et ce passe, c'est pas tout. Ce qui se passe là-bas, c'est que tous les corps de métier sont représentés à Arbaïn aujourd'hui. Demandez à ceux qui ont marché. En marchant, on a parlé de marche de 80 km. Vous allez voir des cireurs qui sont sur la route. Ces cireurs n'ont autre rôle que de faire quoi? De nettoyer vos chaussures. À chaque fois que vous faites 100, 1 km, 2 km, il y aura des groupes de cireurs qui sont là, qui vont vous supplier de venir à lever vos chaussures, les laver, les mettre au sec, les cirer pour vous. Et il y aura un autre qui est à côté qui va masser vos orteils. Pendant que le cireur est en train de cirer vos chaussures, il y a un autre volontaire. C'est pas une seule personne. Hein. Ils ont mis des matelas sur le sol, au bord de la route, parce que pendant ces trois jours, la route n'est pas pratiquée par les voitures. Donc, il y a des installations de massage gratuites avec des petites machines, des objets pour masser les pieds, le dos des marcheurs qui vont aller chez l'imam Hussein alayhi salam. Ce n'est pas tout. Il y a des tailleurs sur la route. Vous allez voir aujourd'hui, il y a une industrie maintenant de tailleurs professionnels qui installent des bâches avec des installations électriques et qui vont essayer de coudre vos habits afin de pouvoir, si vous avez besoin de réparer ou bien de coudre vos habits ou bien vos sacs de voyage qui sont déchirés, il y aura des tailleurs qui sont là qui vous donnent cela gratuitement. Et en plus de cela, il y a des gens qui prennent des machines à laver de façon gratuite, alignés plus de 20 machines à laver ici. Les machines à laver automatiques, tu mets ton habit, ça lave et ça sèche en même temps. Tu prends dans 20 minutes, ton habit est lavé et sec et tu portes et tu continues ton chemin. Donc vraiment, il y a toute une forme de miracle. Sans parler maintenant de ces grandes marmites où des gens qui sont là, ils préparent 24 heures sur 24. Je vous dis que tous ces 30 millions de visiteurs, aucun ne va payer un franc pour manger. Et tous les plats du monde s'y retrouvent. Moi, j'ai trouvé là-bas le ndapa. Pour ceux qui connaissent un peu le fouta, j'ai vu le ndapa là-bas. Donc aujourd'hui, c'est un miracle. Malgré que aujourd'hui, les médias internationaux ne vont pas vous dire tout cela, mais essayez d'être curieux. Allez dans les pages Facebook de ce qu'on appelle Al-Atabat al-Husseiniya et voyez réellement le miracle qui s'y passe. Je vous assure. Et cela, sachez que comme je l'ai dit, c'est la réalisation d'un des miracles les plus authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais vous lire le hadith ici de façon succincte parce que l'objectif de cette vidéo, c'est juste pour vous présenter ce miracle du prophète qui se réalise aujourd'hui sous nos yeux et que beaucoup de personnes doutaient au début. Ici, c'est dans Bihar al-Anwar au chapitre 44, verset 200 jusqu'au 263. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أخبر فاطمة عليه السلام بقتل ولدها الحسين عليه السلام وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديدا. Le prophète صلى الله عليه وآله وسلم lorsque sa mère, la mère de Hussein, l'a mise au monde, Sayyida Zahra alayhi salam, le prophète a expliqué à sa fille, parce qu'il devait le faire, que ton fils que tu chéris tant, que tu es en train de dorloter, de caresser, un jour viendra, que cet enfant-là, il sera massacré, assassiné, dans la soif et dans la barbarie la plus absolue. Et avec lui, ses fils seront assassinés, ses frères, ses cousins, les fils de son grand frère Hassan, les fils de ta petite sœur Zainab, toute la famille d'Ahlul Bayt, un seul survivra pour garder ma descendance, moi Mohammed, il s'appelle Ali Zain al-Abidin, qui sera le quatrième imam. Mais à part lui, tous les autres fils de ma famille seront massacrés et les filles seront attrapées et réduites à l'esclavage pour être humiliées de ville en ville. Lorsque le prophète a dit ça à Sayyida Zahra alayhi salam, Bakat Buka An Shadida, Sayyida Zahra de façon naturelle, elle a pleuré de façon vraiment lamentable. Mais pourquoi est-ce qu'elle a pleuré? Elle est une sainte, elle est la reine des femmes du paradis, n'oubliez pas. C'est pas parce que son fils sera massacré, non. C'est parce qu'elle connaît pourquoi son fils sera massacré, c'est pour que l'islam puisse survivre. Donc son inquiétude, c'est de voir, est-ce que après avoir été massacré, son fils aura droit à une forme de d'éternisation pour que le combat pour lequel il est décédé ne soit pas un combat oublié au fil des temps. Donc elle a demandé wa qalat ya abat, elle a dit oh cher père, au messager d'Allah, mata yakunu dhalik, il dit quand est-ce mon fils sera-t-il assassiné? Qala fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali. Le prophète a dit cela va se passer à une période où ni moi Mohammed
son grand-père, ni toi sa mère, ni son père Ali, ni son frère Hassan ne seront vivants. Il sera pendant ce temps seul avec ses enfants, ses femmes et ses compagnons. Et Sayyidah Zahra alayhi ses pleurs se sont intensifiés. Elle a posé une seule question. Alors, ô cher père, qui va pleurer mon fils Al-Hussein alayhi salam? C'est extrêmement important cette question. Elle n'a pas dit pourquoi sera-t-il massacré, pourquoi va-t-il être torturé. Non, elle a simplement dit ô père, mais qui va pleurer mon fils alayhi salam? Qui va organiser des cérémonies funéraires pour mon fils, vu qu'il sera égorgé non seulement dans une terre étrangère, mais dans un temps lointain où nous ne serons plus présents. Et c'est là que le prophète, sous inspiration divine, il a eu une révélation et dans laquelle il a dit ceci. Il a dit, Faqal sallallahu alayhi wa sallam, ya Fatima. Il dit, oh ma chère fille Fatima, ne t'inquiète pas pour cela. Il dit, inna nisa'a ummati yabkuna ala nisa'i ahli bayti. Il dit, sache que les femmes de ma communauté, les femmes de ma umma vont pleurer sur l'atrocité que les femmes de ma famille vont recevoir. Il dit, warijaluhum yabkuna ala rijali ahli bayti. Les hommes de ma communauté vont pleurer sur les hommes de ma famille. Autrement dit, Hussein aura des gens qui vont pleurer pour lui. Et le prophète donne ici le miracle. Il dit quoi? Il dit, wayujaddiduna al-azaa jilan ba'da jilin fi kulli sanatin. Subhanallah. Le prophète dit, wayujaddiduna al-azaa lahu. Et sache que ce n'est pas une seule fois qu'ils vont pleurer à Hussein. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Il dit, ils vont renouveler. At-tajdid ici, c'est renouveler. Al-Aza'a, ils vont renouveler cette cérémonie funéraire pour Hussein, Jilan ba'da Jilin. Il dit génération après génération. C'est là le miracle qui se retrouve. Il dit ce n'est pas comme s'ils vont le pleurer aujourd'hui, le jour qu'il est décédé en l'an 61 de l'Hégire, et puis c'est fini. Il dit ils vont renouveler cette cérémonie funéraire sur Hussein, Jilan ba'da Jilin, génération après génération. Et le prophète dit à quelle fréquence? Il dit coule les sanatim. Il dit chaque année, ils vont renouveler cela. Le prophète disait cela à une époque où il était vivant. C'était impensable que des gens, chaque année, à la même date, quittent le monde entier et génération après génération pour essayer de renouveler ce qu'on appelle aujourd'hui la cérémonie de Arbaïn. Aujourd'hui, lorsque l'imam Hussein a été assassiné, le 40e jour, c'était un seul visiteur qui était sur sa tombe. C'était un compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Il était tellement âgé, il avait perdu la vue. Il était venu, il a été le premier visiteur. Ça, c'était en l'an 61 de l'Hégire. Vous imaginez un visiteur. Aujourd'hui, après 1400 ans, on a 30 millions de visiteurs. Et ça ne s'est jamais interrompu. L'année suivante, il y a eu 2, il y a eu 3, il y a eu 4. Aujourd'hui, après un millénaire et quelques, on a 30 millions de visiteurs. Et cela, sachez que le prophète a donné une promesse extrêmement importante à ceux qui vont faire ce déplacement. Il dit, oh ma fille, faïda kan al-qiyama. À la fin du monde, lors du jugement dernier, Tashfa'ini antilin nisa'i. Toi, Fatima, tu vas intercéder pour les femmes qui ont pleuré sur mes enfants. Wa ana ashfa'u lirrijali. Et moi, Mohammed, en personne, je vais intercéder. Je vais intercéder pour qui? Pour les hommes qui ont pleuré. Et donc, wa kullu man baka minhum ala musabil Hussein, aghazna bi yadihi wa adkhalnahu al-janna. Il dit, quiconque va pleurer pour Hussein, pour vous et moi qui ne sommes pas allés à Karbala, il dit, quiconque va pleurer pour Hussein, moi, Mohammed et toi, Fatima, on prendra leurs mains et on va les amener avec nous au paradis, fi jiwarina, à notre voisinage. Entrer au paradis, c'est important, mais être logé à côté de la loge officielle de Mohammed et d'Ahlul Bayt alayhi salam, c'est le comble de tout le bonheur. Merci beaucoup le frère Qatari Habiba. Il me fait signe que c'est 22 millions qui ont été enregistrés. Je suis d'accord avec ces chiffres officiels, mais ce sont les personnes qui ont été enregistrées à travers les visas extérieurs. Ceux qui sont à l'intérieur de la ville irakienne, on ne peut pas les compter. C'est des millions de visiteurs qui rentrent. Ceux qui passent par de façon frontalière, sans passer par les aéroports, ne sont pas comptabilisés. J'y ai été à 2 reprises, je sais de quoi je parle. Donc les chiffres officiels sont très loin parfois des chiffres véridiques. Imaginez quand le gouvernement communique 22 millions, vous imaginez ceux qui n'ont pas été comptés, ça peut aller au-delà de 30 millions. Merci pour la précision.
Donc voilà le hadith qui est un miracle. Le prophète n'a jamais menti. Il a dit, Sayyida Fatima, ne t'inquiète pas pour ton fils. Allah va créer. Inna Allah sayakhluq lahu shi'atan. Dieu va créer pour lui des chiites. Yabukunahu jilan ba'da jilin. Ils vont le pleurer génération après génération. Fi kulli sanatin. Et ça, c'est dans chaque année. Subhanallah. Et aujourd'hui, nous les musulmans qui vivons aujourd'hui à ce 21e siècle, nous constatons ce miracle. Aujourd'hui, faites un sondage sur toutes les cérémonies mondiales, religieuses, je veux dire, où il y a 30 millions de personne, vous ne trouverez nulle part. Peut-être vous me parlerez peut-être des hindous qui vont aux choses à leur fleuve. J'ai oublié un peu le nom de ce fleuve, mais c'est des rassemblements qui ne se passent pas en un jour, ça se passe en un temps très lointain. Mais je parle d'un seul rassemblement sans organisation internationale, sans une ingérence étatique, de manière volontariste et miraculeuse, où 30 millions voire plus sont hébergés en une seule journée dans une ville petite qui n'a même pas 3 millions d'habitants. C'est un miracle qui ne peut se justifier que par l'amour que les gens portent pour Mohammed et sa sainte famille. Et ça, c'était vraiment le premier point que je voulais aborder avec vous. Et de façon maintenant brève, je vais essayer de vous donner les 6 derniers points qui concernent le secret qui est caché derrière cette visite d'Al-Hussein alayhi salam à Karbala. D'abord, sachez que Al-Hussein alayhi salam, on a tenté de l'effacer. C'est ce qui s'est passé en réalité. Le pouvoir qui était dirigé par les Omeyyades, Yazid, fils de Muawiya, fils d'Abu Sofyan, comme ils n'ont pas pu effacer Mohammed, ils l'ont combattu, ils ont voulu le tuer lors de la bataille de Tabouk, ça n'a pas marché. Ils se sont attaqués à sa progéniture après lui. Mais le plus grand, disons, rempart contre l'islam, le plus grand rempart, j'allais dire, pour protéger l'islam, c'était Al-Hussein alayhi salam. Le prophète avait dit, Ana min Hussein wa Husseinun minni wa ana min Hussein. Il a dit, Hussein est de moi et je suis de Hussein. Il a dit, un jour viendra, si ce n'est pas, grâce au combat que Hussein va mener, l'islam que moi, Mohammed, j'aurais amené, cet islam-là va disparaître. Et donc, l'imam Hussein était vraiment le dernier rempart que le prophète a placé pour ne pas que l'islam soit exécuté et étonné et effacé. Mais en face, il y avait seulement ce qu'on appelle les Abu Sufyan et leurs fils, les Bani Umayya. Ils avaient juré que Hussein sera effacé. Et donc d'abord, ils l'ont assassiné. Ça, c'était le premier geste qu'ils ont fait. L'assassiner pour quelle raison? Pour effacer toute présence de Hussein sur la terre, pour effacer toute trace de Ahlul Bayt sur la terre. Mais Dieu a voulu que Sayyida Zainab a survécu, Imam Ali Sadiad a survécu, et ces deux-là ont mis à l'échec le plan de Yazid qui voulait effacer Al-Hussein alayhi salam. Une fois que Hussein a été tué, et que la guerre sur le champ de bataille, ils ont pensé la gagner, il fallait maintenant effacer Hussein de la mémoire collective de l'islam. C'est ce qu'ils ont fait. La preuve est que parmi les 10 personnes qu'ils ont dit qu'elles sont promises au paradis, Hussein n'est pas sur cette liste. Vérifiez très bien. Les sunnites qui sont vraiment malmenés et manipulés, ils ont la liste des 10 compagnons qui ont été promises au paradis alors qu'ils étaient vivants. Regardez bien cette liste. Hassan n'y est pas, Hussein n'y est pas. Vous savez, vous croyez que ça c'est fortuit? Le prophète a clairement dit à ses compagnons, Al-Hassan wal-Hussein, Sayyida Shabab Yahlil Jannah. Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Mais quand les Bani Umayya, ces hypocrites ont voulu établir la liste de ceux qui vont aller au paradis, ils ont mis tout le monde, ils n'ont pas mis les chefs du paradis sur la liste. Vous voyez bien que cette liste a été une liste biaisée. Comment est-ce qu'on peut mettre la liste des personnes les plus importantes du pays et oublier le président de la République de ce pays-là? Ça montre que ça a été fait par des personnes hypocrites et qui étaient encore à la fois bêtes. Parce qu'ils auraient dû mettre Hassan et Hussein dedans pour accorder un certain poids de crédibilité à cette liste. Donc Hussein a été effacé même de ceux qui vont aller au paradis. Yazid a qualifié Hussein de rebelle, de mécréant et de personne qui s'est levé contre son calife et donc qui a été maudit par le prophète. Donc voilà un peu tout ce que le système Omeyyad a fait afin que Hussein et Ahlul Bayt soient complètement effacés de la mémoire collective. Mais Sayyida Zainab avait dit à Yazid, il avait dit, ça ayaka, fais ce que tu veux, Wakid Kaidak, mets toutes tes ruses en fonction. Elle a dit, Fawallah, elle a dit ça devant Yazid dans son palais. Fawallah, il dit, moi Zainab, j'ai assisté à l'assassinat de mon frère à Karbala. Je jure, la tamhu zikrana, tu ne peux jamais effacer notre rappel. Nous, Ahlul Bayt, notre présence dans le cœur des croyants, tu ne peux jamais l'effacer. Voilà, tu mets wahyana, tu ne peux pas effacer, tu ne peux pas anéantir, tu ne peux pas tuer la révélation de Muhammad qui est Al-Quran et l'islam authentique. Et donc c'est ce qui continue. Aller à Arbaïn, c'est une résistance.
C'est pour dire à Yazid, tu as menti. Si tu as tué Hussein à Karbala, tu as tué son corps. Mais la lumière que Hussein incarne, la sagesse, ainsi que la vérité que Hussein est mort à cause de ces vérités, nous sommes la réincarnation de cette vérité, de cette lumière. Et on a vu que depuis Jabir ibn al-Ansari, qui était le premier à faire la ziyarat, le nombre n'a fait que croître. Aujourd'hui, personne ne peut plus barrer le chemin. Malgré Saddam Hussein a tué les chiites, malgré que l'État islamique Daesh a fait des attentats à Al-Qaïda, tout le monde, ils laissent jusqu'à ce jour aujourd'hui, ils vont en plein rassemblement où il y a 20 millions, 30 millions de personnes, ils se mettent à exploser des bombes un peu partout. Malgré tout cela, il n'y a jamais eu un recul. Chaque année, le nombre ne fait qu'augmenter et augmenter. Ça montre donc que aller à Karbala, c'est une résistance. C'est dire à Hussein, la baïka ya Hussein. Quand Hussein avait dit, hal minna surin yansuruni, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à nous aider, nous, Ahlul Bayt, à aider cette vérité que nous incarnons, nous, en allant à Karbala, nous savons que nous pouvons mourir. Et sachez que c'est une réalité qui est là. Hein. Celui qui va à Karbala, ceux qui savent vraiment, comme ceux qui sont en train d'étudier en Irak ou bien en Iran, avant d'aller, ils écrivent leur testament, ils se lavent du lavage mortuaire avant de partir, car ils partent avec l'intention, disons 50-50. Il se peut que nous mourions, il se peut que nous ne mourions pas. Et durant tout le trajet, ces 3 jours de marche, tu peux ici aujourd'hui te reposer dans ce lieu et tu entends qu'à 100 mètres de toi, il y a une bombe qui a explosé. Mais ça ne t'empêche pas de te réveiller et de continuer, même si tu vas encore rencontrer les rafales ou les bombes de vent. Ça ne s'est jamais arrêté. Pourquoi? Parce que c'est un appel miraculeux du prophète. Il ne peut que se réaliser. Il y aura toujours des gens qui sont prêts à se sacrifier pour que la vérité ne s'éteigne jamais. Et les meilleurs parmi ceux qui font ce sacrifice, c'est Zouar al-Hussein alayhi salam fi yawm al-Arba'in, sont les visiteurs de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Arba'in. Ça, c'est donc le deuxième point. Arba'in est un miracle du prophète. Le deuxième point, Arba'in est la preuve d'une résistance. Une résistance pourquoi? Parce que c'est grâce à Hussein que l'islam a été sauvé. Dans la ziyarat qu'on fait, dans tous les ziyarat qu'on fait à Hussein, on dit « Ashhadu annaka qad aqamta as-salah ». Cette phrase, elle résume tout le combat de Hussein. Tu dis « Moi qui suis là aujourd'hui, ashhadu, je témoigne annaka, que toi Hussein, qad aqamta as-salah, tu as redonner vie à la prière. Iqamatu salat, on peut penser que c'est aller prier. Non, on n'a pas dit ashuranaka salaita. Non, on n'a pas dit on témoigne que tu pries. C'est pas ça. C'est-à-dire que tu as donné vie à la prière. Tu l'as ressuscité. Iqamatu shay, c'est de la faire lever, la faire donner du poids afin qu'elle puisse s'envoler. Autrement dit, c'est Hussein qui a donné vie à la prière. Et cela, ça ne doit pas vous étonner. Il y a eu un tabi'in, un compagnon qui était là. Il était vivant au temps du prophète, Abu Bakr, Omar, Ousmane. Et un jour, il est parti à Koufa, où l'imam Ali alayhi salam était le calife. Dès qu'il a prié derrière l'imam Ali, à la fin de la prière, il a pleuré. Il a dit, aujourd'hui, après 24 ans ou 25 ans de vie, Ali vient de me rappeler la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait durant son temps. Ça, c'est un témoignage qui fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que là, le compagnon là vient de nous dire que, après le prophète, la prière a été modifiée. La prière a été changée. L'ablution a été modifiée. On lave les pieds maintenant. La prière, on croise les bras. On ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On fait des actions qui n'y sont pas. Et quand le compagnon là est allé à Koufa après 25 ans, depuis la mort du prophète, et qu'il a prié derrière Imam Ali, il était vieux, il a pleuré, il dit « Ali, tu viens de me rappeler la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Donc c'est Ahlul Bayt qui ont fait Iqamatu Salat. C'est grâce à Ahlul Bayt que la prière que le prophète effectuait n'a pas été effacée. Sinon on aurait assisté à une prière falsifiée qui n'est pas celle qu'on prie aujourd'hui. C'est grâce à Hussein, pour cela on dit dans son ziyarat « Ashhadu annaka qad aqamta as-salat wa ataita az-zaka ». Troisième point sur Arba'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Hussein sera ce qu'on appelle celui qui va mener son combat. Aujourd'hui, si on nous dit que Ali a fait son combat, Hassan a fait son combat, jusqu'à Imam Sadiq, Imam Jafar Sadiq, Imam Muhammad al-Baqir, jusqu'à Imam Al-Hassan al-Askari, Imam Mahdi, aujourd'hui on peut dire que non, ça sont des hadiths, on ne peut pas croire à ces hadiths-là. Mais personne ne peut nier ce qui se passe aujourd'hui à Karbala. Ça dépasse tous les hadiths, ça dépasse tous les livres d'histoire qui ont été écrits par Tabari, par Yaqoubi, etc., etc. Désolé un peu pour le bruit. Mais quand on dit, par exemple, que Ali était l'imam
il y a des sunnites qui vont dire que ce n'est pas authentique. Quand on dit que Hassan était l'imam, ils peuvent discuter. Mais aujourd'hui, même les non-musulmans ne peuvent pas discuter que Hussein est le guide de toute la communauté. Car la foule qu'il draine aujourd'hui, personne parmi les musulmans, qu'elle soit compagnon, qu'il soit imam, qu'il soit calife, ne peut avoir drainé cette. La preuve est que la tombe d'Abou Bakr est là, la tombe de Omar est là, la tombe de c'est pas Ousmane est là. Mais qui va là-bas? Personne. Si ce n'est pas à cause du pèlerinage, qui va aller à la tombe d'Abou Bakr et Omar? Personne. L'imam Ali aujourd'hui, tous les gens qui vont à Karbala passent d'abord à Najaf, qui est l'aéroport international. C'est là-bas qu'ils prennent l'autorisation avant d'aller à Karbala. Ça montre donc que aller à Karbala, c'est une manifestation de façon concrète et indiscutable que Hussein est le chef du paradis et que c'est avec lui la vérité que le prophète avait dit que c'est grâce à lui que l'islam va résister. Le cinquième point, si je ne me trompe pas, c'est manifester son amour envers Hussein alayhi salam. Comme on l'a dit, quand on suit le journal aujourd'hui, on entend qu'il y a des attentats par exemple dans tel pays, un accident dans tel autre pays, mais ça ne nous touche pas. On écoute ces informations en riant. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont décédées, on ne les connaît pas. Mais quand tu connais la personne qui est décédée, imagine un de tes proches qui est décédé, même si tu avais des rendez-vous festifs par exemple, tu les annules. Pourquoi? Parce que la personne qui est décédée, elle t'est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu aimes une personne qui est décédée, son décès te touche, son malheur te touche. Donc imaginez 30 millions de personnes. Ça, ce sont ceux qui ont pu aller, ceux qui n'ont pas pu aller. Seul Allah connaît l'heure, parce que ceux qui n'ont pas pu aller alors qu'ils veulent aller sont 10 fois, voire 100 fois plus nombreux que ceux qui y vont là-bas. Donc imaginez ces personnes qui viennent pleurer Hussein pour montrer que si on l'a pleuré, car on ne pleure pas par hypocrisie, hein, on pleure de façon réelle, ça nous touche. Si ce qui touche à Hussein te touche, si ce qui lui fait mal te fait mal, si sa mort te chagrine, sois sûr que tu as la vraie foi. Pourquoi? Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, c'est dans Musnad Ahmad, il a dit: La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa ahli bayti habba ilayhi min ahli baytihi. Il a dit: Personne parmi vous les musulmans n'aura la vraie foi tant qu'il ne va pas m'aimer moi, Mohammed, plus qu'il n'aime sa propre vie, et il aime ma famille plus qu'il aime sa propre famille. Quand ton fils est blessé, quand quelqu'un gifle ton fils, ça te touche. Parfois, tu es prêt à aller casser tout le voisinage. Imagine que Hussein, le fils du prophète, a été égorgé. Quelle est la réaction que ton cœur a ressentie quand tu apprends que Hussein a été massacré? Si c'est vrai que tu as aimé Hussein plus que ton fils, si ton fils est blessé, ça te touche, l'assassinat de Hussein doit te toucher. Et ceux qui vont donc à Karbala en payant des millions pour y aller, c'est la meilleure preuve qu'ils aiment Hussein et que Hussein les touche. Et donc, c'est la meilleure foi donc qu'ils ont ce qu'on appelle al-iman al-haqiqi, la vraie foi. Ça, c'est une autre raison aussi qui fait que Karbala existe et que ça continuera à exister. Le dernier point que je vais mettre ici en place, c'est que aller à Karbala est une purification. Et en quel sens? Vous savez, pour ceux vous qui avez fait le Hawza, on dit que Alma ou Najis, quand une eau par exemple qui est dans un bidon, ou bien une eau en tout cas est sale, soit il y a de l'urine dedans, quand cette eau est en contact avec l'eau de l'océan, Alma ou Kathir, que ce soit l'eau de pluie, ou bien par exemple l'eau du robinet, ou bien Alma ou Kour, on dit que cette eau devient pure. Ça veut dire que quand l'eau de petite quantité qui est sale est en contact avec une eau est pure, comme l'eau de la rivière a la puissance et la capacité de rendre pure l'eau qui était déjà souillée. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous avons nos péchés, nous ne sommes pas prophètes, nous ne sommes pas imams. Et pendant les 11 mois, nous avons vaqué à nos occupations en amassant des tonnes de péchés. Aller à Karbala ou faire la ziyarat aujourd'hui à distance et saluer Hussein et pleurer pour lui est une forme d'être en contact avec lui. Et être en contact avec la pureté purifie la personne qui n'est pas pure. Comme on l'a compris, Hussein est pur. Désolé pour ces bruits. Hussein est pur parce que dans la sourate Al-Ahzab, verset 33, Allah a dit « Wa yutahhirakum tathira ». Dieu vous a purifié de façon totale. Donc ça c'est un. Deuxièmement, dans les ziyarat, on dit que « Ashhadu annaka tahirun ». « Annaka tuhurun tahirun mutahhirun min tuhurin tahirin mutahhirun ». Pour ceux qui comprennent l'arabe, il n'y a aucun aspect qui est laissé. « Tuhur » c'est « masdar ». Tahir, c'est ismul fa'il, mutahhirun, c'est mufa'ilun. Non seulement ils sont dans d'essence pure, d'existence pure, et ils ont la capacité de rendre pur tout ce qu'ils vont être en contact. Ça, c'est Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, toi qui es là, en étant en contact avec Hussein, à travers ses ziyarats, à travers tes larmes, forcément, tout ça te purifie et ça te donne ce qu'on appelle la clé du paradis. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma,
inni yuhibbu al-Hassan wa al-Hussein fa ahibba man yuhibbuhuma. Oh Dieu, moi j'aime Hassan et Hussein, et toi aussi Dieu, aime quiconque va aimer Hassan et Hussein. Il n'y a pas plus fort amour que de pleurer pour Hassan et Hussein. Et donc pleurer pour eux, c'est de montrer que tu les aimes. Et quand tu les aimes, le prophète a béni et t'a béni pour que l'amour de Dieu puisse te toucher. Donc ça veut dire que aller sur Hussein, même la terre sur laquelle il a été purifié, il a été enterré, a été purifié. Dans les airs, on lit quoi? Tibetum wa tabatil ardul latifiha tufintum. Vous, Ahlul Bayt, vous avez été purs et la terre dans laquelle vous êtes enterrés a été purifiée par votre présence. Si la terre a été purifiée par la présence de Hussein, que dire de toi, l'être humain qui connaît Dieu, qui connaît le prophète, qui connaît la wilaya et qui vient pleurer à Hussein? Ta purification ne fera que grandir. Et donc, le dernier point, comme je l'ai dit, c'est cela. Aller chez Hussein est une purification. Aller chez Hussein te purifie tes péchés. Aller chez Hussein est une garantie pour le paradis, car le prophète a dit quiconque va aimer Hassan et Hussein, Allah va l'aimer. Et si Allah aime quelqu'un, il n'y a aucun empêchement entre toi et la grâce divine, entre toi et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous les meilleurs parmi les zouars de Hussein, et qu'Allah nous donne, à nous qui avons la chance d'aller, ceux qui sont allés, qu'Allah leur donne la chance de repartir, que ceux qui ne sont pas allés, qu'Allah leur donne la chance d'aller. Pour vous donner quelques bonus ici, je vais vous lire quelques hadiths sur lesquels on raconte les vertus de ceux qui ont la chance d'aller visiter le Seigneur alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam a dit ici, Imam Baqir alayhi salam, il a dit: "Law ya'lamu an-nas ma fi ziyarati al-Husayn alayhi salam min al-fadl lamatu shawqan wa taqattat anfusuhum alayhi hasaratin." Il dit: si les gens connaissaient ce qu'il y a comme vertu, comme grâce, comme miséricorde sur le fait d'aller à Karbala visiter al-Husayn, ils seraient morts en essayant d'aller. Ça montre deux. Même s'il y a des risques de mort, les imams vous disent d'aller. Pourquoi? Parce que si on abandonne Hussein, on abandonne l'islam, on abandonne le prophète, on abandonne Ahlul Bayt et l'islam va s'éteindre. Donc l'imam te dit, même s'il y a la crainte, même s'il y a des terroristes qui vous menacent, même si les pouvoirs vous interdisent, comme Saddam le faisait, l'imam dit, forcez et allez, car si vous n'allez pas, c'est l'islam et le combat de Hussein qui va tomber, et ça, c'est pas envisageable. Il dit, ça c'est Imam Sadiq alayhi salam, man ata qabr al-Hussein alayhi salam kataba Allahu lahu min al-amin yawm al-qiyamah. Celui qui viendra visiter Hussein alayhi salam, Allah va l'inscrire parmi ceux qui seront dans la quiétude et la paix à la fin du monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle Al-Faza al-Akbar, le grand tremblement de terre qui va accompagner la fin du monde. Cette crainte qu'Allah qualifie in yawman abusan qamtarira, yawman yaj'alu al-wildana shiba, le jour où il y aura tellement de crainte que les femmes enceintes vont faire des fausses couches, que les bébés auront des cheveux blancs, cette journée dangereuse qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, Imam Sadiq te dit, si tu vas chez Hussein pour le visiter, Allah t'inscrira parmi ceux qui sont à l'abri et protégés durant cette journée. Qu'Allah nous accorde cette garantie. Wata kitabahu bi yaminihi, Allah te donnera ton livre par ta main droite, wa kana tahta liwa'i al-Hussein alayhi salam, et tu seras, ça que ce qui est le plus important, Hussein aura un drapeau à la fin du monde et tu seras sous ce drapeau-là. Autrement dit, tous ceux qui l'ont visité, Hussein viendra devant l'assemblée divine et par la permission d'Allah, il va dire à tous ceux qui l'ont pleuré, à tous ceux qui l'ont visité, venez sur mon cortège, venez sous mon drapeau. Pourquoi? Hatta yadkhul al-jannata fayas hatta yadkhul al-jannata fayaskuna fi darajatihi. Imam Sadiq dit, tu rentres au paradis avec Hussein et tu vas habiter au même degré que Hussein alayhi salam. Ça, c'est pour vous dire que tous les imams ont encouragé à ce que Hussein ne soit pas abandonné. Car si on l'abandonne, c'est lui qui a été le plus grand rempart pour que l'islam ne puisse pas être déraciné et assassiné. Donc l'imam Sadiq te dit que quand tu fais l'azar de l'imam Hussein alayhi salam, tu vas être avec lui à la fin du monde, sous, à l'abri de ce tremblement et de cette crainte, mais aussi tu seras sous son drapeau, et quand son drapeau va être soulevé pour être entré au paradis, tu seras dans le cortège de Hussein alayhi salam. Et n'oublie pas quel cortège. Hussein est le chef du paradis, c'est le président du paradis. Imagine que toi, parmi tous les cortèges, il y a des cortèges du président qui est là, cortège du préfet, cortège du chef de quartier. Toi, on te dit que tu seras dans le cortège présidentiel pour aller au paradis. Subhanallah. C'est pour montrer que quand on continue dans Biharul Anwar au chapitre 44, vous verrez des hadiths vraiment incroyables. Un autre hadith dit que quand nous serons ressuscités, la place qu'Allah va réserver à ceux qui ont fait la visite de l'imam Hussein alayhi salam, tous ceux qui ne l'ont pas visité vont venir les regarder et vraiment avoir les envier pour dire qu'on aurait aimé être à leur place, car Dieu va les protéger, Dieu va les envier. Et comme le prophète l'a dit dans le début de cette vidéo, lui,
Il va intercéder envers ceux qui ont pleuré parmi les hommes, et Sayyida Zahra va intercéder pour les femmes qui ont pleuré à l'Hussein. Donc ce qui se passe à Karbala aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est la réalisation d'un miracle du prophète, une promesse que le prophète avait faite à sa fille, qui s'est réalisée par une personne à l'an 61 et qui se réalise aujourd'hui avec 30 millions voire plus de personnes en 2023. C'est pour vous dire que prions tous Dieu pour être l'incarnation de cette prophétie, car en allant là-bas, tu deviens toi aussi l'exemple de la réalisation de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prophétie, quand elle se réalisera sur toi, c'est une garantie pour que tu puisses aller au paradis. Et pour finir, je promets de faire une vidéo, inshallah ta'ala, sur Ashura ou Fouta Djalon. Ashura, dans le Mandingue, il y a des signes précurseurs qui, si tu les analyses très bien, tu comprendras que nos parents connaissaient Ashura. Nos parents connaissaient cette tragédie de Karbala et nos parents ont compati à leur manière. Ils ne pouvaient pas se déplacer pour aller jusqu'en Irak, mais ils ont posé des actes au Fouta. Ils ont posé des actes dans l'empire Mandingue. Si tu les analyses très bien, tu verras que nos parents connaissaient qu'il ne fallait pas jouer, qu'il ne fallait pas être content pendant le mois de Muharram et le mois de Safar. Et donc, Inch'Allah, dans les deux jours à venir, nous allons faire une autre vidéo afin de prouver que Ashura, nos parents ont manifesté leur façon, à leur façon du moins, cette cérémonie de Ashura. Ils ont pleuré Hussein à leur façon. Ils ont montré qu'ils étaient contre les assassins de Hussein et ils ont supporté le deuil du prophète pendant ce Ashura. L'avant-goût que je vais vous donner, c'est que pendant le mois de Muharram et le mois de Safar, nos parents ne donnaient pas leur fille en mariage. Allez leur demander pour quelle raison. Pour quelle raison au Fouta, on interdisait le mariage pendant le mois de Yom Bente, comme on dit. Et si c'est je les mandais Djomene Kalo. Pourquoi pendant ces mois on ne faisait pas de mariage? Pour quelle raison? Ça fait partie de leur façon de manifester le deuil de Hussein. Ils se sont dit tout simplement qu'ils ont honte en tant que musulmans d'organiser des cérémonies de joie pendant le mois où Hussein a été décapité, pendant le mois où le prophète pleure son fils, pendant le mois où Sayyida Zahra pleure son fils, et ils ont honte d'organiser un mariage. Là, c'est juste un point. Les autres points qui seront au nombre de 10, Inch'Allah, ta'ala, viendront et vous allez voir que chaque point était lié à Karbala pour prouver que nos parents avaient connaissance du chiisme. Ils l'ont pratiqué à leur manière et c'est grâce à ça aujourd'hui que le chiisme se développe de façon facile dans toute l'Afrique. Qu'Allah fasse que ceux qui n'ont pas vu cette lumière la voient et qu'ils embarquent là-dessus. Qu'Allah fasse que nous qui sommes déjà dans cette lumière, que nous en profitons au maximum durant cette vie et que durant notre mort, que les imams intercèdent pour nous pour ne pas avoir une mort difficile, pour ne pas avoir une vie tombale difficile et une résurrection difficile. Qu'Allah nous protège contre tous les fléaux de la mort à la résurrection et surtout qu'Allah nous évite l'enfer. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les premiers dans le cortège de Hussein alayhi salam au paradis. Père que Mohammed wa Ali Mohammed. On fait tous face à Karbala aujourd'hui et on dit sallallahu alayka ya Abba Abdillah, sallallahu alayka ya Abba Abdillah, sallallahu alayka ya Abba Abdillah. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awladi al-Hussein wa ala ashabi al-Husseini wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Désolé, la voix était rapide, c'est une vidéo improvisée avec un rendez-vous à côté. Donc inshallah ta'ala, on aura une autre vidéo plus posée, on va encore revenir dans les détails bismillah ta'ala. Merci pour votre présence. Merci d'être présent et merci de partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.